ou bien président du groupe FLUID. Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mes chers collègues, depuis l'arrivée de monsieur le président Ismaïl Omar Guelleh au pouvoir, le pays s'est engagé dans une succession de grands projets qui nous propulsent sans contexte dans une ère de progrès dans tous les domaines. Le pays s'inscrit dans la logique du développement impulsée par le président de la République dans un monde globalisé où tous ceux qui ne s'adaptent pas risquent d'être laissés au rade. Pour ce faire, le gouvernement doit améliorer sa communication envers la population et une meilleure explication s'avère donc indispensable dans le cadre de la politique de développement. L'accès à l'emploi et aux services de base est dorénavant considéré comme prioritaire. L'accès au logement, la mise en place d'un système de santé universel, l'accès à l'électricité et la lutte contre la soif nécessitent une solution planifiée et durable dans toutes les régions. Pour y parvenir, le gouvernement doit donc prévoir une gestion transparente et ordonnée sur le plan administratif et élaborer un schéma pour le développement économique dans le transport, infrastructures, portières, énergie, etc. Ainsi, une année après son investiture, le gouvernement présente à l'Assemblée nationale sa stratégie de développement socio-économique ambitieux, le programme d'investissement national axé sur la lutte contre la pauvreté. Le pays démontre une volonté claire et une politique sectorielle bien définie. L'objectif escompté étant l'accès à l'emploi, l'entrepreneuriat, la solidarité aux plus démunis. Bref, le but recherché étant l'amélioration des conditions de vie des Djiboutiens. Toutefois, la réalisation de ces avancées est certes louable, mais ne doit pas nous éloigner des enjeux du changement climatique et l'extrême pauvreté, la soif, la faim, le chômage, etc., qui ne cessent de gagner du terrain dans les régions les plus reculées. Mesdames et messieurs, nous estimons qu'il est indispensable d'associer les élus du peuple dans l'accomplissement de ce projet et en prendre acte pour qu'elle soit matérialisée de manière concrète les avantages destinés à chaque citoyen et les prestations de services dont il aura besoin. La répartition du PIN en tranche annuelle de 9 milliards démontre le souhait du gouvernement d'agir rigoureusement et de l'exécuter conformément à la loi des finances. Pour chaque secteur, chaque fonds, il sera prévu une ligne budgétaire et un champ explicatif dont, bien sûr, nous attendons les détails. Mesdames et messieurs, je tiens à souligner que notre pays s'est lancé dans un nouveau partenariat pour rendre dynamique le fleuron de l'économie nationale. Aussi, le gouvernement de Djibouti a ratifié des accords de coopération avec l'Éthiopie, le Soudan et les pays membres du COMESA. Nous avons voté également en décembre 2013 l'ouverture du capital du port de Djibouti à des nouveaux investisseurs. C'est pourquoi je réitère ma demande que la représentation nationale doit être associée dans l'élaboration en amont et en aval des objectifs de développement du PIN. Avec ce programme, j'ai confiance en notre jeune nation qui va avancer sur le chemin du progrès et confirmer ainsi son ascension pour devenir un pays compétitif et un acteur majeur dans la région. Pour terminer, monsieur le Premier ministre, la pauvreté en soi est un phénomène complexe qu'il est difficile de cerner. À Djibouti, comme dans beaucoup de pays africains, elle englobe de multiples dimensions sociales, culturelles, environnementales, politiques et économiques, etc. Si la pauvreté est généralement définie comme étant une situation où les besoins ne sont pas satisfaits, des questions se doivent d'être soulevées. Quelle stratégie comptez-vous mettre en place pour cibler les populations concernées? Pouvez-vous nous donner, en termes de statistiques, les niveaux de pauvreté en République Djibouti et particulièrement dans les régions de l'intérieur? Quelles zones, monsieur le Premier ministre, est-il nécessaire de prioriser, c'est-à-dire Djibouti ou les régions, Djibouti-Ville? Quant à ma seconde question, c'est un constat, monsieur le Premier ministre, le PIN ne fait nullement mention du rôle que doivent jouer les élus locaux dans la mise en œuvre du programme d'investissement national dans leurs régions respectives. Je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur le député. Bon, nous allons donc, après ces interventions des présidents du groupe, nous allons passer donc directement aux commentaires des députés. Donc, j'appelle monsieur Abdo Kamil, il est ici là. Abdo Kamil Mohamed.